مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني توك. دائما في إطار تغطية الحملة الانتخابية وفق الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر ديال 10 ماي من هذا الشهر 2012، مغرب تي في كيستقبل عدد ديال المرشحين ديال الجالية الجزائرية بالخارج في المنطقة الرابعة سكون ابيل لا زون 4 اللي فيها الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأوروبا ما عدا فرنسا، يعني فيها بلجيكا، إسبانيا، سويسرا، ألمانيا إلى آخره، كندا، المكسيك، ومجموعة ديال هاد الدول جمعوهم في ما يسمى بالمنطقة الرابعة. استقبلنا مجموعة ديال المرشحين ديال الجزائريين ديال مجموعة ديال الأحزاب الجزائرية، واليوم معنا ممثلة ديال حزب الكرامة سيدة سمية سماحي. السلام عليكم. Alors, Samia Smahi, avant de commencer le débat, d'abord, si vous pouvez nous définir ou nous expliquer ce que c'est que le parti le Karama. إذن مرحبا، نشكركم على الاستضافة تاعكم اليوم. حزب الكرامة الجزائري هو حزب جزائري لي إلى غادي جبي سي دو ميكسبريمي اون فرونسي اون عرب بور كون بويس كومونيكي افيك توت لا كوميونيتي الجيريان. دونك هو حزب جديد إلا تلقى سون اغريمون ديبي دو لاني 2012، ولكن المؤسسين تاعو les fondateurs, les membres fondateurs et même les militants, c'est des gens qui sont actifs dans la sphère politique, c'est des gens qui ont dans le domaine de militantisme social et moral depuis longtemps. Le président du parti, c'est Mohamed Belhamou, un ancien immigré qui a fait le choix de rentrer au pays et de participer au développement et aux réformes lancées par monsieur le président Bouteflika. Et donc, maintenant, on est autour d'un parti qui s'appelle nommé Al-Karama, la dignité. Et c'est un... la dignité, les Algériens de l'étranger ne se sont pas... Non, tout, le Jazair est d'aimer Al-Karama, tout est pour tout le معروف بها. الكرامه فيها في الكلمه ثاني كاين لا غاسين كاين الكريم، وحنا نحبوا كو كل الجاليه الجزائريه وين ما كانت تكون عندها السون، تكون محافظه على الكرامه تاعها وعلى الكرم تاعها في نفس الوقت. الحزب هذا كما قلت حزب من الوسط، يعني وسطي يجمع كل الجزائريين، كل الفئات الجزائريه وخاصه النساء والشباب الجزائري، لأن الهدف تاعو الأول والوحيد هو كيفاش المرأة والشاب الجزائري يمكن أن يأخذ مكان تاعو في الإطارات المحركة والإطارات اللي تأخذ كما نقولوا حنايا لي غون ديسيزيون. دونك فوالا سي ليدي سي دو باسي فريمون لو فلومبو او فام اي او نوفيل جينيراسيون لي جون الجيريان الاطارات لي كومبيتون لي كومبيتونس الجيريان بور بروندر ريبروندر لو فلومبو. دونك سا سي لو بوت، سا ديفيز سي لو سافوار لو ترافاي اي لا جوستيس سوسيال. دونك سي اوتور سي دو سي تروا بيليي qu'on veut travailler et en travaillant en équipe. Mais qu'en est-il ce que vous dites là, tout le monde peut être d'accord. Bien sûr, avec Karama, c'est très intéressant. Voilà qui n'est ce qui est simple. On a maintenant la preuve de comment bien حزب الكرامة ou le FLN ou le FFS. C'est quoi la maintenant يعني كان حزب كتير في الجزائر. شنو اللي كيميز الكرامة؟ واش البارتي ليبرال، بارتي سوسياليست، توندونس يعني سوسياليست ليبرال، وشنو كومونيست اسلاميست؟ نو جوستومون سي ان بارتي كوم جو لي ديجا دي، سي ان بارتي سنتريست كي روغروب اون تريبون بور تو لي الجيريان، لوان دي كليفاج ابسورد، لوان دو ريجيوناليزم، لوان دو loin de toute comment dirais-je de toute marginalisation ou exclusion, justement qui n'instrumentalise ni la religion ni l'histoire. En fait, on est loin de tout ça. On veut que ça soit un parti rassembleur surtout pour l'Algérie et pour l'amour de l'Algérie. Moi, je me suis arrivée, c'est important que tout le monde le sache, c'est que moi, pour ne pas cacher comment je me suis arrivée à parti Al-Karama, j'ai été appelée par différentes parties, mais moi, sachant qu'on travaille avec des personnes, donc j'ai choisi de travailler avec Mohamed Gash, qui est candidat tête de liste de le parti Al-Karama. Et ce monsieur-là, c'est un député sortant. Il a fait son mandat dans la zone 6, les deux États d'Amérique et Océanie. Et c'est un monsieur qui a prouvé par son travail,
et elle a, il a rendu compte à, la, à sa communauté là-bas de son travail, de son parcours de 2007 à 2012. Et pour une fois, je me suis dit, les programmes, tous les programmes sont, sont beaux, il y a des promesses, mais pour une fois, je voulais opter pour la, l'action et pas pour la parole. Alors, pour bien expliquer à nos téléspectateurs, donc, il y a plusieurs zones qui permettent aux résidents algériens à l'étranger d'être représentés au Parlement algérien. Entouma, vous vous présentez dans la zone 4, c'est la zone qui regroupe les deux États d'Amérique, plus l'Europe hors France. Mm-hmm. Et donc, il y a... pour votre liste, le Karama, c'est, quel est le numéro de votre liste ? 35. La liste numéro 35. Donc la liste numéro 35, il y a deux effectifs et deux suppléants. Voilà. Et donc la tête de liste effective, c'est monsieur... Mohamed Gahch. C'est monsieur Mohamed Gahch, c'est un ancien député sortant. Mm-hmm. Et il y a Mohamed Gahch, puis il y a vous, deuxième voilà. effectif. Et puis il y a deux suppléants. Deux suppléants. Donc il y a madame Mouna Hamitouche, elle est dans l'Angleterre, c'est, elle était deux fois maire, docteur en... Deux fois maire où ça ? En Angleterre, dans D'accord. une commune en Angleterre. Il y a monsieur Zinedine Qadjour, il travaille dans un département de développement agricole qui appartient à, aux Nations Unies. Et ça, il est en Italie. En Italie. Et vous êtes là, la Belge de la liste. Voilà. Alors dites-nous, où habitez-vous en Belgique, Bada ? À Bruxelles et à Uccle. Donc vous êtes une Bruxelloise, voilà, Uccle. Vous habitez ici depuis longtemps ? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ouais. Alors, et puis vous êtes active dans je le milieu active associatif dans, oui, tout à fait. Je suis active dans le milieu associatif autour de ma communauté. Donc on participe à toutes les activités qui se passent ici. Et par le biais de notre militantisme associatif, quand on est arrivé à la au cercle des politiques et maintenant on espère vraiment travailler en équipe par rapport à notre liste pour donner une nouvelle image aux députés, donner une nouvelle image. On va parler de ça donc. Ouais, voilà. Vous êtes actif dans le milieu associatif mais vous êtes également artiste. Oui. Et vous travaillez dans le domaine de l'art, je tout crois. Tout à fait, tout vous à travaillez fait. Dans un musée. Oui. Je suis responsable de la collection. Comment vous est venue cette vocation pour l'art ? En Algérie ou oui, ici en Europe ? Oui, j'ai fait des études en Algérie. J'ai une licence en art plastique. Et puis j'ai continué à Paris. J'ai fait un master en histoire de l'art et en esthétique. Et donc, suite à mon mariage, je me suis installée ici en Belgique. Et maintenant, j'exerce mon métier. Donc, je travaille dans un musée. Moi, je veux poser ce genre de questions. C'est très important pour moi. Parce que c'est très intéressant parce que je voudrais cerner un peu le profil de ces jeunes oui, Algériens qui investissent en politique. Oui. Alors, vous êtes artiste et vous avez décidé de vous plonger dans le milieu politique. Oui. Parce que vous connaissez M. Gahch, tête de liste, ou parce que vous avez des convictions ? J'ai des convictions. Je crois que pour le moment, on est dans un contexte extrêmement difficile et déstabilisant. Et on est obligé d'aller vers le changement pacifique et progressif. Et c'est pour cette raison que je me suis engagée sur cette voie. Et puis, les actions de Mohamed Gahch et tout ce qu'il a fait pour la communauté, ça m'a vraiment encouragée pour la simple raison que on voit très très bien qu'il y a une petite rupture, une petite crise de confiance entre la communauté et la classe politique et on aimerait bien renouer de nouveau avec notre communauté. Alors il y a le parti Karama qui est en Algérie, vous êtes des militants de l'étranger, et est-ce que vous avez des revendications particulières pour les Algériens résidant à l'étranger. Tout à fait. Nous avons il y a des préoccupations très importantes. La communauté algérienne est énorme. Elle est très grande. Il faut savoir qu'on est... combien d'Algériens plus ou moins à l'étranger ? Il y a 1 700 000 Algériens à l'étranger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un pays en dehors de notre pays. Et on est une carte gagnante pour notre pays. C'est pour ça que je crois que c'est le moment de faire le maximum pour résoudre certains problèmes comme le transport. Je crois qui a été abordé par différentes parties. C'est-à-dire le transport Le transport, le maritime et aérien, et qu'il faut trouver plus d'accessibilité, plus de facilité, réduire le prix de billets. Ce sont des sociétés étatiques qui gèrent ce... Oui, tout à fait, mais il y a des projets futurs pour qu'on puisse ouvrir...
aller l'espace pour qu'on puisse avoir des prix beaucoup plus raisonnables pour toute la communauté à l'étranger. Donc ça, c'est, je crois que c'est un point très, très important. Pour vous, c'est une première priorité. Les Algériens de l'étranger trouvent des difficultés pour rentrer chez eux parce que les billets de transport d'avion ou de bateau sont encore très chers. Ouais, restent encore très chers. Surtout les familles, généralement chez nous, sont nombreuses. Il y a le couple plus les enfants, généralement, ce n'est pas évident. Donc, c'est vraiment c'est un point très important, le transport. Et comme vous le dites, les familles nombreuses à revenus limités. Donc, il faut vraiment penser à ces gens-là pour qu'ils puissent aller partir à leur pays. On veut bien que ça ne soit pas une fois par an, mais deux fois, trois fois. Et cette communauté, c'est une carte gagnante pour l'Algérie. Elle ne peut qu'être bénéfique pour l'économie de l'Algérie. C'est normal parce qu'ils vont venir avec des devises, des cadeaux, des projets de développement. Bien sûr, bien entendu. Mais donc, il faut permettre l'accessibilité. L'accessibilité. Ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, Mohamed Gachi, il a défendu dans son programme 2007-2011 d'aider les jeunes qui ont des compétences et des métiers, d'avoir des prêts au niveau de l'Agence nationale de l'emploi des jeunes et de la CNAC, qui est la Caisse nationale pour le chômage, d'avoir des prêts pour qu'ils puissent investir dans leur pays et de créer des mini-entreprises qui peuvent aussi absorber le chômage. Donc c'est un projet qui a été lancé par Mohamed Gach et il a pu quand même arriver à approuver une centaine de projets durant son mandat. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Vous parlez du candidat tête de liste, M. Elgash. C'est pour être honnête avec nos téléspectateurs. Malheureusement, il n'est pas avec nous. Voilà. Parce que comme il est en campagne électorale, il devait rentrer aujourd'hui à Bruxelles pour venir assister avec nous à cette émission. Mais il m'a téléphoné pour me dire qu'il a pris un peu de retard et qu'il ne saurait malheureusement pas être parmi nous. Mais donc, on a cette chance d'avoir Samia qui va le représenter ou représenter toute la liste pour nous expliquer un peu plus en détail quel est le projet de votre parti Al-Karama. Alors, donc, il y a certaines priorités, le transport, permettre aux jeunes compétences algériennes de rentrer en Algérie, développer des projets. Qu'est-ce qui intéresse encore plus les familles algériennes, par exemple, qui sont établies en Belgique ou à Bruxelles? Quand vous les rencontrez, quels sont leurs premiers soucis? Il y a certaines personnes qui, vous savez très très bien, quand on rentre dans le pays, on a un mois, on voit la famille, etc. On n'a pas le temps d'aller chercher pour qu'on puisse avoir un logement dans notre pays. Et on aimerait bien aussi faciliter ce côté administratif pour les gens qui habitent à l'étranger, pour qu'ils puissent accéder, comme les Algériens qui sont à l'intérieur, avoir aussi droit au logement et de faciliter la procédure administrative. Déjà, il y a un problème, une crise grave de logement en Algérie. Hein. Oui. Donc, est-ce que vous croyez que le gouvernement algérien, déjà, il doit trouver des solutions pour les Algériens de l'Algérie? Parce que généralement, ils ont une idée des Algériens qui sont à l'étranger, qui sont dans une bonne situation, qui n'ont pas vraiment besoin. Pas forcément. Hein, il y a des gens qui ont des salaires. C'est des gens qui sont allés qui ont des revenus modestes et qui aimeraient bien avoir aussi un logement en Algérie. Et de laisser un quota de 5%, je ne pense pas que ça peut créer vraiment une crise. Vous êtes pour un quota déjà? Oui, tout à fait, tout à fait. Dans notre programme. Parce que généralement, tu sais, les gens qui disent que les gens qui sont en Algérie, ils ne sont pas en Algérie. 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 Je crois que l'Algérie, elle appartient à tous les Algériens. Et donc, si on veut créer vraiment un climat de confiance, et de renouer avec le pays. Donc il faut aussi qu'on respecte les droits de tous les Algériens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Voilà. Il y a les points, il y en a plein de préoccupations, mais je crois que c'est le plus important, c'est le transport, c'est de voir plus de facilité aux Algériens d'investir dans leur pays. L'Algérie, c'est une bonne chose, parce que les Marocains, par exemple, de l'étranger, ils demandent de participer aux élections législatives. Ce n'est pas encore le cas. Oui. Donc, c'est un bon point pour vous. Ça vous permet peut-être de participer politiquement à la vie de votre pays d'origine. Mais est-ce que vous avez un organe représentatif des Algériens, par exemple, du monde ou de l'étranger? Est-ce que ça existe ou pas? Ça n'existe
n'existe pas en tant que tel, mais il y a des associations qui activent dans toutes les différentes régions et les pays du monde entier et qui essaient de rentrer en connexion. Et un de nos projets, dans notre programme, c'est d'arriver à créer une fédération qui peut regrouper quelque part toutes les associations, tous les Algériens qui sont dans différents pays du monde. Donc voilà, ça c'est aussi un point qui est déjà abordé dans notre programme. Alors Samia Smahi, donc vous êtes une Bruxelloise et vous êtes deuxième effectif sur la liste Le Karama numéro 35 dans la zone 4. Samia, comment vous abordez-vous votre campagne électorale? Donc le matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites en premier? On était un petit peu serré dans le temps, c'est ma première campagne électorale. C'est vrai qu'il... Allez, on essaye de faire un programme, une stratégie, mais bon, on essaie d'utiliser tous les moyens virtuels, l'email, le Facebook, le Twitter, travailler en proximité, aller vers les gens, discuter avec eux et aussi de convaincre les gens d'aller voter, surtout d'aller voter et d'oser le changement. Ça, c'est très important. Et donc, vous expliquez comment voter, où il faut aller voter? Je crois que tout le monde est au courant au niveau du consulat, les choses sont claires, l'information est passée. Maintenant, au niveau des programmes des différents partis, c'est très important d'aller vers eux et de l'expliquer, de leur expliquer. Ça, c'est, selon vous, Samia, quand vous rencontrez les Algériens ici, est-ce que vous croyez qu'ils votent en fonction du programme ou en fonction de la personne? Je crois les deux. Je crois vraiment que c'est les deux parce que connaître le profil de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait pour la société, pour la communauté, c'est très important. Je crois qu'il y a aussi ça qui joue un petit peu dans le choix des lecteurs, mais aussi le programme, je crois que c'est important. C'est pour ça, moi, autant que citoyenne algérienne, avant d'être concernée par les élections, je voulais choisir les gens qui sont dans l'action et non pas dans la parole. Du réchauffé, on l'a vu tout le temps, donc on aurait bien aimé maintenant passer à l'action et de concrétiser les choses. Quand vous rencontrez les gens, Samia, il y a sûrement des gens qui vous disent, voilà, qui sont réfractaires, qui ne veulent pas participer aux élections, qui vous disent, mais vous êtes tous pareils, de toute façon, tous les partis politiques, c'est la même chose. Non, pas du tout. Moi, je suis... Je suis prête à écouter les gens et c'est vrai, il y a des gens, des jeunes qui sont plus ou moins allez, sceptiques. Hein, ils ne sont pas très chauds pour voter. Mais bon, nous, on essaye bien sûr de leur communiquer le programme, qu'ils voient un petit peu le profil des personnes, c'est très important. Et bon, mais ils sont libres. Hein, je crois que maintenant, on sait très très bien qu'on est dans une période de transition. Il y a des changements autour de nos frontières. Et si on aime ce pays, il faut qu'on s'implique. Il faut que vous vous impliquiez. Et ça, vous leur expliquez. Tout à fait. Est-ce que vous portez un regard critique sur la gestion politique en Algérie, dans le pays même? Moi, je crois que... Ou là, vous êtes plutôt... Je ne sais pas, donc, la position de Le Karama aussi, c'est... Plutôt un parti de l'opposition là, qui soutient la majorité. Je crois que le regard que j'apporte, moi, tout simplement, c'est qu'on sait très très bien que Saïd Bouteflika, le président de la République, a fait beaucoup de progrès, a fait beaucoup de réformes, des réformes qui ont été pensées mais qui ne sont pas encore tous appliquées. Et donc, nous, on milite et on défend ces réformes-là et on veut qu'on arrive à une société moderne et démocratique en laissant le flambeau aux jeunes Algériens, aux compétences, aux femmes, et donc que la femme prenne sa place dans toutes les sphères, y compris politique, et de progresser. Alors justement, quel regard portez-vous sur la place de la femme en Algérie? Moi, je crois que l'Algérie a fait un très grand pas. Les femmes algériennes, avec tout ce qui s'est passé en Algérie, on le sait bien, les 11 années de la décennie noire, malgré ça, la femme n'a pas baissé les bras, et elle a continué de travailler, à étudier, à travailler, et ça c'est vraiment un grand honneur pour nous. Donc vous pensez que la femme, elle commence à occuper des places très importantes au sein de la sphère politique. Tout à fait. Bientôt une femme Premier ministre en Algérie? Oui, pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas. Moi, je n'exclus jamais cette éventualité parce qu'il y a des femmes militantes qui travaillent au niveau de la société et en dehors et qui aspirent à des postes de clé de gouvernance. Et moi, je crois fortement à ça. Qu'est-ce que vous répondez à des gens qui disent voilà, l'Algérie, c'est un pays riche, parce que là, il y a des revenus du pétrole et tout ça, mais malgré ça, il y a une crise économique. Ben, les jeunes sont au chômage, les gens n'arrivent pas à trouver des logements. Je crois que la crise touche tout le monde maintenant, hein, que ce soit les pays riches en développement ou autres. C'est une crise qui est à l'échelle mondiale. Maintenant, il faut apporter des solutions. Je crois qu'il y a des réformes, il faut apporter des changements au niveau des programmes, au niveau de la méthodologie de travail, des stratégies. Et je crois énormément en l'avenir. Je suis très contente que maintenant on participe à la Deuxième République. Et ça, c'est très important pour nous, les Algériens. Qu'est-ce que vous voulez dire par la Deuxième République? Donc, c'est vraiment un grand changement qui va se faire au niveau de l'Algérie. C'est un changement au niveau des institutions gouvernementaux. Je crois que maintenant la jeunesse, les jeunes compétences commencent à prendre de la place, même au niveau des partis politiques. Il y a un nouveau regard qui est porté sur les jeunes et ça, moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'Algérie de demain. Donc on ne veut pas oublier qu'on parle de la Deuxième République, c'est pas d'oublier les parents ou l'histoire, mais d'apporter un regard vers le futur et vers nos enfants. Je crois que c'est important. Quel regard portez-vous, Assamia, sur ce qu'on appelle le printemps arabe, tous ces changements politiques qui ont eu lieu dans certains pays arabes? Moi, j'ai toujours... presque touché l'Algérie. Moi, j'ai toujours dit que la réalité a rejoint le rêve par rapport à cette histoire-là, de tout ce qui s'est passé, tout ce chamboulement qui est arrivé, mais qui était attendu, même si on était à un certain moment, les gens étaient un petit peu désespérés dans le monde arabe, mais ça montre que la volonté du peuple peut faire beaucoup de choses. Et malgré, bon, il y a de tout. Dans une révolution, elle peut prendre le bon chemin comme elle peut prendre le mauvais. Mais je trouve que c'est toujours positif. C'est toujours positif. Alors, dans votre campagne électorale, donc on a vu, il y a 4 candidats qui résident dans 4 pays différents. Comment se passe la coordination entre vous? Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien par téléphone, par Skype. Heureusement qu'il y a maintenant les moyens sont là pour qu'on puisse être en contact tous les jours. Et on travaille vraiment... on est tout le temps en contact et on essaie chacun essaye de ramener des solutions, des conseils à l'autre et ça se passe très très bien. Donc je rappelle le numéro de votre liste, c'est la liste numéro 35. 35. Donc quand les gens vont voter, il y a combien de listes plus ou moins? Est-ce que vous avez une idée? Moi j'ai une idée par rapport à l'étranger, les partis qui se présentent normalement 17, si mes informations sont correctes. En Algérie c'est beaucoup plus, on est 45 partis. Non mais ici les gens quand ils vont partir au consulat, 35, oui. Donc il y a 35 listes. Non, c'est pas 35 listes. Ça c'est cette numérotation, elle était faite en Algérie. D'accord. Par rapport aux 45 partis. Maintenant c'est le même numéro qui reste pour l'étranger aussi. D'accord. Donc, mais il y aura peut-être une dizaine de listes. Voilà. Plus ou moins. Voilà. Voilà. Et donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un sigle du parti ou les gens vont voter en fonction de vos photos qui seront indiquées ou le nom du parti? J'avoue que je ne sais pas encore comment le bulletin se présente, mais je sais qu'il y aura un numéro, il y aura aussi le nom du parti. Donc ce qu'il faut retenir, c'est... Le numéro 35 est Al-Karama. Parti Al-Karama numéro 35. Voilà. Oui. Et le reste, c'est à nous de faire, c'est d'informer les gens. Je vais vous laisser dire peut-être un dernier mot pour convaincre vos concitoyennes et concitoyens de voter pour vous. Ben moi, je crois que... Si vous voulez bien regarder la caméra et leur parler. Je crois que c'est le moment, bien sûr, d'aller vers l'avant et de prendre nos responsabilités et d'aller voter pour qu'on puisse... arriver à un changement progressif et pacifique en Algérie, alors il faut voter, il faut regarder le programme, il faut être informé et penser aux jeunes et aux femmes algériennes pour qu'on puisse arriver à une société moderne, démocratique. Merci.
Merci à Samia Smahi. Moi, je vous souhaite bonne chance dans votre campagne électorale et dans ces élections. Et nous allons recevoir encore d'autres candidats algériens à ces élections législatives du 10 mai. Moi, personnellement, ici à Maghreb TV, on regrette qu'on ne peut pas recevoir tous les candidats. Oui, moi, on essaie plus ou moins de recevoir ceux qui sont disponibles, ceux qui sont en Belgique, et les qui représentent les partis plus ou moins représentatifs. إلى ذلك الحين أقول لكم إلى اللقاء ومع السلامة في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك.